Dans le cadre de cette cinquième conférence, j'analyserai des manuels d'art, c'est-à-dire des ouvrages graduellement de proportions plus modestes et d'un coût plus réduit qui vont se répandre en Europe et particulièrement en France et en Angleterre. Et en l'honneur du mécène du Louvre, M. Henri Schiller, qui est un très grand collectionneur de livres et un très grand conservateur de sa collection, je montrerai en fin de parcours un certain nombre d'ouvrages qui me paraissent illustrer le conflit entre livre cher et le livre bon marché, conflit qui traverse le 19e siècle. Les manuels d'histoire de l'art occupent une place importante dans notre quotidien. Les lecteurs apprécient ces ouvrages qui permettent de survoler un vaste champ de connaissances. On s'imagine volontiers que ces instruments ont toujours existé. Or, en histoire de l'art, ils datent seulement du 19e siècle. Et leur naissance n'a pas été une mince affaire. Cette forme a été conquise, littéralement, sur un domaine extrêmement complexe. Pour l'historien du regard, c'est donc un champ d'études fascinant. Le manuel d'histoire de l'art illustré à bas prix a été créé dans les années 1830. Les éditeurs s'intéressent au marché des guides. Ils espèrent toucher le public qui collectionne ou qui fréquente les musées. Au cours de cette période propice au voyage, le nombre de guides touristiques explose dans toute l'Europe. Leur prix baisse, car l'impression se mécanise, le prix du papier s'est effondré sous la pression des industriels de la pâte. Des maisons d'édition comme Hachette ou Murray, le grand guide Murray ici d'Italie qui était si célèbre, se concilient les grâces des compagnies de chemin de fer. Elles étalent dans les gares une marchandise soigneusement formatée pour être consommée dans un trajet ou au long d'un séjour. Les guides, de fait, sont les héritiers des Lumières. Au XVIIIe siècle, je l'ai déjà rappelé, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert prétend produire une description parfaite de toutes les pratiques. Un siècle et demi plus tard, dans un roman fameux, publié à titre posthume, dont vous avez la page de titre à gauche, Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert moque deux retraités, Bouvard et Pécuchet, qui croient pouvoir étudier tous les savoirs par le biais de manuels tels que ceux, fort répandus alors, publiés par la compagnie Roret. Donc vous voyez ici un exemple à droite. À chaque tentative, ils échouent à maîtriser les savoirs qu'ils rêvent d'assimiler. Cette satire dénonce l'immense imaginaire créé par une littérature qui promet un gai savoir à portée de main. Quels sont les composants incontournables du manuel d'art? Tout d'abord, un récit limpide, propre à déployer l'histoire de l'art comme un processus progressif et continu, dans la tradition des Lumières, l'histoire progrès des Lumières. Ensuite, des illustrations capables de convoquer des œuvres d'art précises au service du texte. Rien ne paraît plus simple à nos yeux. Or, cette forme littéraire, avant l'époque qui nous concerne, reste inconnue. Au XVIIIe siècle, en effet, l'histoire de l'art chez les anciens, la Geschichte der Kunst des Altertums, que vous voyez ici à gauche, de Winckelmann, a livré le modèle d'une histoire progressive des formes, encadrée par un appareil conceptuel rigoureux où la notion de style historique joue un rôle primordial. Mais l'ouvrage pèche par son volume, par la lourdeur de son appareil érudit et surtout par l'absence totale d'illustration, à part quelques vignettes. Dans cette mouvance, la Storia Pittorica de Luigi Lanzi, publiée à partir de 1995-96 dans sa version étendue, s'inspire de Winckelmann et tente de saisir le vocabulaire plastique des écoles italiennes de peinture du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Lanzi est un lexicographe passionné qui pense les écoles régionales italiennes comme des cultures fermées qui produisent des dialectes originaux. Mais c'est une histoire, au moins, qui n'est plus une histoire des artistes, comme les Vitae de Vasari, mais une histoire de l'art et des formes, d'où le terme de Storia Pittorica. C'est vraiment l'histoire de la peinture et non plus des artistes. Cependant, comme le Winckelmann, cet ouvrage ne comporte aucune illustration pour appuyer son analyse stylistique. Or, au XVIIIe siècle, cette lacune ne trouble nullement les amateurs aisés, premiers destinataires de ce type de publication. En effet,
Ces amateurs possèdent des recueils de planches gravées ou des portefeuilles de gravures de reproduction. Ces lecteurs doivent donc constituer eux-mêmes le répertoire d'images référentielles propre à faciliter la lecture du livre d'histoire de l'art. La collection individuelle, comme substitut d'un livre d'histoire, perdure très longtemps. Certains collectionneurs estiment même que seule la gravure de reproduction, susceptible d'être produite à plusieurs exemplaires, permet de constituer un ensemble sérieux, ordonné d'œuvres d'art, formant une histoire. La collection Peignon-Dijonval, dont vous avez ici le catalogue à tout à gauche, se présente exactement sous cette forme. Et son auteur se vantait d'illustrer le développement historique de l'art presque jour par les œuvres. Jusqu'en 1851, quelques publications théorisent cette possibilité extrême d'un livre historique sur l'art qui demeurerait purement visuel de part en part, sans discours, hein, une seule collection parfaitement ordonnée d'images. Idéal, évidemment, chimérique. Car aucune succession d'œuvres ne peut constituer un récit qui repose sur une construction discursive explicite ou implicite. L'un des derniers à expérimenter ce rêve paradoxal est un collectionneur d'Orléans, Constant Leber, dont vous voyez ici le livre publié juste après sa mort, c'est la deuxième et la troisième image. Leber propose l'esquisse de ce qu'il appelle une pantographie ou histoire générale des estampes. Le grand ouvrage, à ses yeux, se composerait d'estampes soigneusement ordonnées, et cette collection devrait assembler des portefeuilles de gravures originales organisées selon un principe chronologique et où chaque pièce s'accompagnerait d'un bref commentaire. On conseille donc aux collectionneurs de faire eux-mêmes leur livre sur ce modèle, donc de composer eux-mêmes une collection sur ces principes. Dans son histoire de l'art, qui offre le squelette chronologique propre à structurer toute la collection d'estampes et toute collection autre que celle qui est proposée dans ce modèle, Leber avoue en effet, je cite, « Comme l'ouvrage se compose exclusivement d'épreuves originales, il n'a pu être entrepris dans des vues de publication. On ne reproduit pas des originaux. Et en matière d'estampes, les copies ne prouvent rien. Mais le même ensemble peut être reproduit dans les mêmes conditions d'originalité, de choix, de temps et de moyens. » Fin de citation. L'ouvrage de Leber se réduit donc à une liste d'œuvres par portefeuille. Et vous voyez cette liste qui vous liste exactement, qui vous détaille tous les portefeuilles que vous devez vous-même ouvrir et nourrir d'œuvres d'art que vous achetez sur le marché de l'estampe. Il n'offre donc que le modèle d'une pratique de la collection mise au service de l'histoire de l'art. Mais l'auteur et ses éditeurs posthumes osent un pas vers le livre diffusé à plus grande échelle en découvrant la possibilité de recourir à la photographie de reproduction. En effet, quelques rares pièces, tout à droite, sont collées en fin de volume des photographies sépia soigneusement montées. Mais leur séquence, non fondée sur un discours historique explicite, demeure illisible. Tant que cette pratique du livre illustré comme recueil dominera, elle retardera l'émergence de toute publication imprimée et illustrée sur l'histoire de l'art. Les premiers auteurs d'histoire de l'art illustré se recrutent tout naturellement parmi les collectionneurs fortunés et non parmi les écrivains férus de pédagogie populaire. L'histoire de l'art par les monuments, de Jean-Baptiste Séroux d'Agincourt, commencé sous l'Ancien Régime et publié dès l'Empire, entre 1810 et 1824, semble annoncer l'avènement d'un discours organisé sur l'art et où l'image assume un rôle cognitif nouveau. Mais l'ouvrage est énorme. Vous devez avoir un cabinet de travail de la grandeur d'un court de tennis pour consulter un ouvrage comme celui-là. Un texte est ventilé en 3 volumes in folio, qui s'accompagne de 3 volumes de planches au même format et un système complexe de renvoi coordonne les deux parties. Donc vous êtes condamné à ouvrir 2 in-folios l'un à côté de l'autre. Cependant, cette publication atteste des traits de génie. Ainsi, chaque page d'illustration comporte l'image de plusieurs monuments réduits à la même échelle pour faciliter la comparaison de leurs traits fondamentaux. Séroux, un ancien fermier général richissime,
passionné d'histoire naturelle, cherche à définir la morphologie propre à l'architecture d'une période aussi peu connue que celle du Moyen Âge, sur la base de la méthode appliquée à la morphologie des plantes. La gravure au trait, ici, se met au service de cette ambition. Elle met en évidence moins le style d'œuvre individuel que la transformation globale des formes durant une période. Mais 6 volumes in-folio coûtent cher. Consulter ce livre réclame l'usage d'une grande table. Ces vastes synthèses regroupent souvent des œuvres que ces amateurs d'ailleurs possèdent dans leur propre collection, ainsi les très beaux monuments des arts du dessin de Dominique Vivant-Denon et les arts au Moyen Âge d'Alexandre du Sommerard, tous ornés de planches in-folio. Il faut attendre les années 30 du XIXe siècle pour voir émerger une littérature historique et illustrée moins onéreuse, au format plus réduit, qui marque enfin l'avènement du manuel d'histoire de l'art dans son acception moderne. Les éditeurs, qui sollicitent les suffrages du plus grand public, sauront profiter de cette situation. À l'ère des musées, le livre sur l'art devra offrir des connaissances simples, compactes et propres à structurer les connaissances du lecteur. Les éditeurs conçoivent ces publications populaires comme des objets pratiques. Les nouveaux livres, au prix modique, doivent pouvoir être transportés au musée ou dans les bagages du voyageur. Bien sûr, le musée et le manuel sur l'art seront pensés comme les contreparties d'une même expérience organique. La contemplation informée, parfois devant les œuvres, un livre à la main. Car, du dernier tiers du XVIIIe siècle à la première Restauration, un nouveau type de musée d'art se développe silencieusement dans l'Europe des Lumières, un dispositif qui ambitionne de raconter l'histoire de l'art de manière essentiellement visuelle et donc expérimentable in situ dans une galerie ordonnée, telle évidemment que le Louvre, où on pouvait véritablement apprendre à connaître les différents styles de Raphaël au cours du temps. Avec le Louvre de Vivant-Denon, ce type parvient à un si grand degré de prééminence qu'il affecte profondément l'histoire de l'art comme discours. Ce musée, Denon l'a considéré comme son œuvre d'historien de l'art, et pourtant, cette œuvre ne correspond pas à un livre. Elle est tout entière déposée dans une machine muséale qui réclame à son tour un nouveau type d'écriture d'histoire de l'art, propre à servir une expérience directe des formes dans l'histoire. Cette relation au livre constitue un problème dès l'Empire. Denon ne laissera pas un seul ouvrage sur l'histoire de l'art avant sa mort et la collection est publiée dans un immense ouvrage extrêmement peu pratique, le Musée français, qui est de nouveau un recueil de gravures annotées. Tel est le contexte. Au départ, il faut rappeler que la plupart des premiers visiteurs ordinaires des musées possèdent une culture plus littéraire que visuelle. Et ces personnes n'ont ni les moyens, ni le désir d'acquérir un vaste musée de papier. Ce public apprécie une littérature où prédomine généralement le texte anecdotique, les vies d'artistes plus ou moins romancées, ou descriptif, un texte décrivant par le menu une œuvre. Prenons un exemple concret, et bien entendu, puisque je parle de l'Angleterre et de la France, je prendrai l'exemple de l'écrivain anglais William Hazlitt qui visite Paris. Ce dernier, dont vous avez un très beau portrait à gauche, s'initie aux arts par la lecture de biographies artistiques non illustrées et donc sans connaître exactement l'aspect d'œuvres concrètes. Ce faisant, il construit dans son imagination des anticipations, véritables fantaisies visuelles qu'il lie au nom auguste de grand maître et dont il attend la révélation de leur identité plastique. Dans son très bel essai « On the Pleasure of Painting » sur le plaisir de la peinture, Hazlitt raconte qu'il va jusqu'à lire le catalogue des peintures du Louvre avant de visiter la célèbre collection. Il imagine les tableaux à l'aide de leurs descriptions succinctes dans son imagination. En quelque sorte, Hazlitt dessine chaque image a priori dans son esprit et ce tableau de l'imagination sera ensuite confronté à l'œuvre concrète de l'artiste au Louvre pour le meilleur et pour le pire. C'est donc à la fois contre la culture aristocratique et contre l'approche littéraire de l'œuvre d'art que le manuel d'art va se construire au XIXe siècle. Les œuvres admirées, dûment restaurées, réclament une contemplation directe, immédiate,
Nul texte ne peut décrire l'œuvre de manière exhaustive, mais il peut se limiter à en analyser l'apparence, puis l'insérer dans un système clair de repères stylistiques. Le guide, le manuel d'histoire de l'art illustré, servent conjointement ce propos. J'aimerais montrer rapidement comment ce modèle de livre s'est constitué en Allemagne et comment il fonctionne. À partir de là, la France et l'Angleterre prennent deux chemins distincts. L'Angleterre emprunte et simplifie le modèle allemand, la France le rejette complètement et tente de construire le sien propre. En 1837, paraît un petit manuel que l'on peut aisément mettre en poche et proposant, dans une compacité étonnante, un panorama complet de l'art en Italie. Le Handbuch der Geschichte der Malerei in Italien, le Handbuch, le manuel de l'histoire de l'art en Italie, de Franz Kugler, est rapidement suivi par un autre manuel plus ambitieux encore, réduisant au petit format toute l'histoire de l'art, le Handbuch der Kunstgeschichte, le manuel de l'histoire de l'art. Kugler était un disciple de Hegel et la lithographie de droite exécutée par Kugler vous montre son maître, Hegel, en train de donner des leçons d'esthétique devant plusieurs étudiants. Le terme Handbuch désigne un ouvrage qui ambitionne de livrer tout un vaste savoir dans le creux d'une seule main. Hand, la main, Buch, livre. Les deux ouvrages paraissent sans illustration, mais un prospectus diffusé dès 1842 promet un atlas bon marché. Cet atlas, publié en trois volumes de 1851 à 1856 et qui s'inspire du modèle proposé par Séroux d'Agincourt, réunira 100 planches. Chacune d'eux réunit la reproduction simplifiée dans un format réduit à la même taille de plusieurs œuvres d'art. Peu à peu, les manuels d'art finiront par comporter des images publiées dans le corps du texte, comme vous voyez ici à droite. Avec Kugler, l'illustration appuiera un discours à dominante esthétique sur l'histoire de l'art. Dans une tradition, et pour moi c'est capital, qui s'inspire de la philosophie de son maître Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Franz Kugler résume toute période, toute culture régionale ou nationale par le biais d'un concept artistique unitaire. L'art met en forme une vision collective du monde, celle d'une culture, d'une civilisation. En termes hégéliens, elle constitue une réalisation centrale de l'esprit qui progresse dans l'histoire. Au sein du manuel, l'image au trait vise à extraire des schèmes dans les œuvres concrètes pour mieux indiquer ce qui en elles relève d'un style historique en devenir. Donc la représentation au trait relève d'une manière d'extraction, si vous voulez. Kugler met l'esthétique au service d'une histoire plus objective des styles. On comprend également pourquoi il insiste sur la nécessité de traiter non seulement de la peinture, mais de tous les arts d'une époque. L'art d'une période constitue un tout dont le langage expressif illustre l'unité. Mais surtout, Kugler s'inscrit dans un mouvement qui souligne le caractère essentiel de l'art dans la société. Le mot d'ordre des intellectuels progressifs allemands de cette période se résume ainsi : lier l'art et la vie. Susciter un art qui puisse toucher la société. Car contrairement à son maître Hegel, Kugler estime que l'art n'a pas perdu sa fonction primordiale à l'ère moderne au bénéfice de la sociologie, de la philosophie. Pardon. Pour Hegel, la philosophie va remplacer en quelque sorte l'art à la fin de l'histoire. Tout au contraire, pour Kugler, l'art contemporain et futur doit conserver un rôle social de premier plan. La critique, comme l'érudition, anticipe le moment élu où le peuple entier partagera une même passion pour l'art et où l'art assumera une fonction collective régénératrice. D'où la nécessité de guider, d'évangéliser en quelque sorte les masses à l'aide d'ouvrages simples et peu coûteux. Le succès de ces ouvrages est immense dans tous les États germaniques. Le Handbuch de Kugler devient alors un best-seller en Angleterre parce qu'il correspond idéalement à une attente britannique qui s'est radicalement transformé depuis la jeunesse de Hazlitt. Et cela est immédiat. Durant les années 1830, en effet, le gouvernement anglais voit dans le partage de l'art entre les classes sociales un ferment de cohésion nationale à une époque jalonnée par les révoltes. L'autorité favorise la popularisation de l'appréciation esthétique, jusque-là réservée aux élites. Exemple,
après l'incendie du Parlement d'Angleterre, en 1834, on met en chantier sa reconstruction. Un grand concours public est ouvert en 1843 pour solliciter les artistes capables d'orner le nouveau Parlement de fresques à la gloire de l'Empire. Du 1er juillet au 2 septembre 1843, le grand public est admis gratuitement à une exposition, dont vous voyez ici l'image à gauche, pour juger les propositions soumises. Certains auteurs, comme Anthony Rich, l'auteur de ce petit pamphlet de droite, en profitent même pour publier de petits traités simples au format in-douze, propres à faciliter l'exercice du jugement sur l'art. Enfin, jusqu'à ce que la montée en puissance de la Prusse ne devienne trop menaçante, les esthètes anglais apprécient fort la culture allemande. Le grand conservateur, puis directeur de la National Gallery de Londres, Sir Charles Eastlake, dont je vous ai parlé déjà la dernière fois, est un germanophile convaincu qui parle d'ailleurs parfaitement l'allemand. L'Angleterre de cette époque offre d'ailleurs l'hospitalité à plusieurs artistes et penseurs allemands qui fuient leur patrie pour des raisons politiques, tels Gottfried Semper ou Georges Scharf. C'est Eastlake et son épouse, Elizabeth Rigby, une femme d'une très grande intelligence, qui entreprendront la traduction d'un des manuels de Kugler, bientôt suivi par d'autres savants. Cette traduction illustrée est appelée « Handbook of the History of Painting », illustrée d'une seule planche dans la première édition, puis avec un traité abrégé « Handbook of Painting ». Et plusieurs planches dans les éditions suivantes, dont celle de 55 que vous avez ici devant vous. Le livre se concentre sur l'art italien. Il est publié par un grand éditeur britannique du temps, Murray, et inséré dans son offre de guide touristique. Prenons l'édition de 1855 que vous avez devant vous. Son format, un in-octavo commode, ses gravures aux traits imprimés à l'encre noire ou sanguine, sa reliure cartonnée en font un ouvrage attractif et peu coûteux. Murray publie la série de guides de voyage la plus populaire d'Angleterre. Et dans la préface à l'édition anglaise de Kugler, Eastlake recommande la lecture de l'ouvrage avant de se rendre au musée. Évidemment, le guide et le manuel combinent leurs efforts pour livrer au public un savoir compact, réduit à l'essentiel. La National Gallery de Londres, les expositions universelles, mais surtout l'exposition d'art de Manchester en 1857, qui est une des plus grandes expositions d'art jamais organisées dans toute l'histoire des expositions, ont assuré une place centrale aux beaux-arts dans la culture du grand public. Et à l'exposition de Manchester, les écoles du Nord et du Sud sont exposées dans une longue suite chronologique qui permet de suivre le lent développement de chaque école artistique en parallèle. Mais déjà, dans un essai daté de 1849 sur la question du public, Some Thoughts on Art Addressed to the Uninitiated, l'historienne de l'art Anna Brownlee Jameson, dont vous avez un très beau portrait à droite, affirme ceci, je cite, « Car les mécènes de l'art ne sont pas, comme les dilettanti et les conoscenti du siècle passé, à compter parmi les rares privilégiés. Ils sont la multitude, le million. Nous devons, il semble, avoir de l'art pour le million. » Fin de citation. Lors de l'exposition de Manchester, la reine et l'aristocratie décident d'effectuer un geste symbolique de haute portée, prêter des milliers d'œuvres de premier plan, autrefois confinées dans des collections privées inaccessibles, pour les offrir à la vue du public tout entier, dans une ville très industrielle, pleine d'ouvriers. Un journaliste, George Walter Thornbury, résume cette utopie qui dure le temps d'une exposition. Je cite Thornbury. Les jours de la vieille et égoïste aristocratie qui thésaurisait sont passés à jamais. De rares titiens conservés dans des boîtes pour qu'on en jouisse dans des moments de tristesse sont maintenant saisis et photographiés. Le grand art est républicain et est destiné à tous les hommes sans besoin d'éducation pour l'apprécier. Fin de citation. À la différence de la France, l'Angleterre connaît donc l'émergence d'une idéologie de la fonction de l'art dans la société et de sa diffusion qui se compare à celle qui émerge en Allemagne vers le milieu du siècle. Cette idéologie sollicite les services de l'imprimerie de masse qui connaît une industrialisation extraordinaire en Angleterre. La traduction anglaise du manuel de Kugler se caractérise par le pragmatique. Elle dépouille en fait
le texte original de toute son armature trop théorique, ne reste qu'une chronologie artistique dont les étapes sont exemplifiées par des œuvres célèbres. Ces dernières font l'objet d'une description réduite à l'essentiel, d'une brève expertise, parfois suivie d'une reproduction au trait. Les séquences sont parfaitement organisées, avec, dans la même ouverture, un appel du texte à l'image, bien centré sur la page opposée. Exécutée au trait, en gravure sur bois debout, cette dernière coûte très peu. En Angleterre, le handbook entrera au service d'une initiation au langage autonome des arts visuels et à la maîtrise concrète des styles par les grands artistes du passé. En définitive, la réception de l'histoire de l'art allemande en Angleterre se solde par une transformation profonde du texte écrit par Kugler. Mais le handbook, devenu handbook, dépouillé de ses développements esthétiques, éduque l'œil du lecteur au langage visuel, à ses composants, à ses effets irréductibles à l'organisation du discours. Les gravures en bois offrent les linéaments d'une histoire des styles schématisée par un biais visuel. Ce schématisme encadre toute expérience de l'art dans les musées. Il simplifie la reconnaissance des périodes, des styles et des nations. Il initie moins précisément à la matière des maîtres, à la manière des maîtres individuels. Il faut dire qu'en Angleterre, une longue tradition démocratique a légitimé le droit fondamental à contempler l'œuvre d'art. Un petit guide de l'Ancient Gallery de Londres, vendu pour quelques pennies, est publié par Henry Cole, le fondateur du musée de Kensington, sous le pseudonyme, ici, de Felix Summerlee. C'est sous ce nom qu'apparaissent ces très très belles publications. Cole y défend une théorie démocratique du droit à l'image de l'art. Je cite Cole, c'est une citation qui vient de la préface de ce guide. « Chacun doit avoir la possibilité de se mettre en possession d'une galerie de peinture à lui, très supérieure en beauté à tous les Louvres, comme la nature est supérieure à l'art, où on ne paie rien pour l'entrée ni pour l'entretien, où tout est gain et rien n'est perte. » Fin de citation. Chaque esprit, pauvre ou riche, doit pouvoir se construire une galerie mentale de beaux tableaux. C'est de cela qu'il est question. Cette galerie plus riche et plus belle que le Louvre, c'est une galerie mentale que constitue le visiteur au fil de ses visites. L'évolution du livre d'histoire de l'art en France, quant à lui, connaît un retard certain sur l'Allemagne comme sur l'Angleterre. Bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts, à la fin du XIXe siècle, Ernest Vinet n'hésite pas à louer ses modèles étrangers, et surtout allemands, dans une bibliographie pourtant publiée juste après la guerre de 70. D'ailleurs, plusieurs grands manuels germaniques paraîtront, mais très lentement, en traduction française. Ils occupent, peu à peu, une niche commerciale presque délaissée. En 1841, l'éditeur des manuels Roret emprunte le Handbuch d'archéologie rédigé par Karl Ottfried Müller. 30 ans plus tard, en 1874, William Raymond publie enfin un brillant manuel illustré relevant d'une histoire de l'art conceptualisée à l'allemande, mais en français, le premier du genre jamais paru en langue française. Mais Raymond est un Suisse de Neuchâtel qui a fréquenté l'université de Berlin. Il faut le souligner, en France, dès la Restauration, c'est l'image du musée universel qui semble promettre la forme la plus attractive d'un livre sur l'art et sur son histoire. L'ouvrage de Jean Duchesne, que vous avez devant vous, le musée de peinture et de sculpture où recueille des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiques et particulières de l'Europe, publié de 1828 à 1833 en 15 volumes, avec de simples gravures au trait signées Réveil, connaît un succès spectaculaire. Il sera réédité jusque sous la Troisième République. Son format compense en partie l'ampleur des volumes. Il propose un choix puisé dans les collections publiques européennes. Chaque œuvre choisie fait l'objet d'une gravure au trait, accompagnée d'une très brève description analytique. Mais de tels dossiers d'œuvres n'ambitionnent nullement de structurer cette galerie portative dans un discours historique unifié. Enfin, le livre reste fidèle à une vision très passéiste de l'art propre au XVIIIe siècle. Elle se concentre sur la grande époque de la Renaissance, ignorant presque toutes les périodes qui précèdent le XVIe siècle, l'Antiquité exceptée. C'est un autre Suisse qui produira le premier livre d'histoire illustré de langue française, le collectionneur Timothée Francillon. Cet homme a épousé une riche Anglaise nommée Sarah Pearson.
pasteur, il dirige la congrégation française de Saint John dans le quartier londonien de Spitalfields. Ses fonctions ne semblent guère l'absorber. Il additionne les emplettes de beaux tableaux à la vente de noms de 1826, comme en Angleterre. Son goût le porte à la redécouverte des primitifs. Cette prédilection le rapproche du célèbre marchand d'anglais contemporain William Young Otley. Or, Francillon publie en 1823 une édition abrégée et illustrée de la Storia Pittorica de Lanzi que je vous ai montrée tout à l'heure. Le texte comporte des illustrations au trait d'après des tableaux des 15e et 16e siècles. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, proviennent de sa propre collection. Francillon, par ce livre, désire convaincre les amateurs que le Quattrocento italien marque un grand moment de l'art. En France, c'est curieusement cette histoire de l'art militante et marchande qui aura inventé la brève histoire de la peinture illustrée dans sa dimension moderne. Cette invention ne suscite tout d'abord guère d'émules. Et il faut une seconde étape capitale qui relance enfin le manuel en France et qui intervient avec la Révolution de 1848. Son progrès est lent, car d'autres formes sont tout d'abord convoquées pour répondre aux nouveaux besoins. Cette étape est marquée par la nomination du républicain Charles Blanc à la direction des Beaux-Arts et par celle du peintre Philippe-Auguste Genron à la direction du Louvre. Pour la première fois dans l'histoire du Louvre, Genron a véritablement mis en œuvre un programme destiné à mettre les richesses de la nation au service du grand public. Dans son fameux rapport de 1848 sur le Louvre, Genron assigne 6 missions au musée: inventorier, conserver, décrire, classer, communiquer, exhiber. Au musée du Louvre, l'ordonnancement chronologique des collections devient un principe directeur, un principe partiellement appliqué par Denon sous l'Empire, mais abandonné à la Restauration. Mais surtout, le rapport de l'art au public est ancré dans une charte des missions propre à l'institution muséale. La réponse littéraire à ce nouvel ordre prend deux formes principales, l'histoire de l'art pédagogique et encyclopédique d'une part, le manuel d'autre part. Ces deux types de production émanent d'un groupe d'intellectuels aux convictions républicaines et que 1848 a brièvement placé au pouvoir ou dans le feu de l'action politique. Charles Blanc, Genron, Louis et René Ménard. Mais surtout, la plupart de ces acteurs collaborent à la rédaction d'un périodique d'art très célèbre à l'époque, la Gazette des Beaux-Arts. Dans un magnifique essai sur Charles Blanc et sur l'histoire des peintres de toutes les écoles, Claire Barbillon a justement rappelé que les livres imprimés à vocation populaire au XIXe siècle connaissent souvent leur première parution sous une forme sérialisée par fascicule. La sérialisation permet d'étaler l'acquisition d'un tel ouvrage dans la durée et par là de le rendre moins coûteux, plus accessible. L'histoire des peintres de toutes les écoles dirigée par Charles Blanc paraît tout d'abord entre 1848 jusqu'en 1860 en 280 fascicules, puis il paraît en 14 volumes. L'ouvrage trahit une ambition encyclopédique, mais la biographie y domine, augmentée d'un catalogue d'œuvres attribuées et visibles dans les musées publics, enfin de quelques gravures en bois debout de haute qualité qui étaient ventilées dans les livraisons. Le volume vert que vous avez, le petit cahier vert, vous donne l'exemple d'une des livraisons que vous receviez régulièrement au long de l'année si vous aviez souscrit à cet ouvrage. Chaque biographie est paginée séparément. L'ouvrage commence à la Renaissance et délaisse donc la longue durée chère au manuel allemand. En somme, ce monument tente de refondre le livre de Duchesne, de le continuer et de l'ordonner par école dans une plus grande étendue temporelle. Charles Blanc nomme son livre, je cite, « un vaste musée de papier ». L'ouvrage, toutefois, ne propose aucun récit unifié sur le développement de l'art dans le temps, qui a été sacrifié à l'encyclopédisme. D'ailleurs, une pléiade d'auteurs assume la rédaction des différents volumes. Le format, in folio, ramène l'ensemble à un ouvrage de référence peu accessible au commun des amateurs. Les gravures en bois debout se caractérisent par une haute qualité et leur exécution a été attribuée à des artistes reconnus. Pour rentabiliser cette production, Blanc propose l'acquisition séparée des planches au titre d'une iconographie utile aux amateurs. D'autres acheteurs pourront insérer ces planches dans quelque ouvrage de leur possession et fabriquer eux-mêmes leurs livres d'art illustré. Comme on voit, la pratique ancienne du recueil demeure très vivace et elle est partiellement programmée encore dans cet ouvrage dans la deuxième moitié
du XIXe siècle. Dès les années 1860, une toute autre forme que le manuel historique en France va monopoliser la synthèse sur l'art. C'est curieusement la grammaire des arts du dessin de 1867, signée Charles Blanc, qui va devenir un manuel d'usage national dans toute la France avec l'appui du gouvernement. L'histoire de l'art, dans son déploiement le plus vaste dans le temps, y est réduite à un système normatif unique. La grande variété des formes relève de règles générales que l'auteur compare à la grammaire d'une langue. Ce livre est conçu comme un défi à l'Angleterre et aux États germaniques. Je cite ici Charles Blanc, « Chose étrange, la France, qui compte en ce moment dans son sein les plus habiles artistes du monde, est, en ce qui touche la connaissance de l'art, une des nations les plus arriérées de l'Europe. En Angleterre, les livres qui traitent des arts et du beau sont connus de toute personne bien élevée. » Fin de citation. Blanc s'inspire d'un exemple anglais, la grammaire de l'ornement, publiée par Owen Jones, un théoricien qui a participé à la création de la Grande Exposition de Londres en 1851, comme à la création du Crystal Palace de Sydenham. Mais si la grammaire de Jones emprunte un modèle axiomatique qui imite une formulation mathématique, celle de Blanc puise son fondement dans la pratique française de la grammaire telle qu'elle a été dessinée par les idéologues sous le Premier Empire. Dans sa grammaire de 1803, Antoine Destutt de Tracy avance en effet que la grammaire française reflète l'articulation des propositions dans la logique. De même, pour Blanc, la grammaire des formes relève de principes fondés en raison. Un formalisme strict permet d'assigner tous les styles du passé à une théorie unique et transhistorique. Il déplace l'étude des beaux-arts de l'objet singulier dans sa matérialité à une étude désincarnée des motifs qui réunit de fait les arts majeurs, les arts industriels, dans un même champ d'études. À Paris comme à Londres, la grammaire fait donc naître l'espoir d'une nouvelle alliance entre l'art et la science, et donc d'un nouvel humanisme. Mais c'est l'esthétique et non l'histoire qui instrumente ce mariage en France. Charles Blanc imprime sa marque la plus profonde sur les critiques de l'histoire de l'art lorsqu'il assigne une mission essentiellement morale et politique aux arts. Car Charles Blanc révère le philosophe Victor Cousin, qui fait revivre la tradition néoplatonicienne selon laquelle le beau est la splendeur du bien. En effet, Charles Blanc va jusqu'à commander en 1848 un buste en l'honneur de Victor Cousin. Ce penseur, à ses yeux, a su pleinement articuler le monde de l'éthique et le monde des formes. Est-ce à dire que le livre d'histoire de l'art, proprement dit, ne voit pas le jour en France ? Il finira quand même par s'imposer dans une forme adaptée à la visite au musée public, mais surtout dans le contexte d'un militantisme forgé par le socialisme 48-art. Ce livre propose un texte enrichi par une séquence fixe et définitive d'images illustratives. Il doit son existence à deux frères, Louis et René Ménard. Les deux hommes deviendront professeurs au musée des arts décoratifs de Paris, René en 1880, Louis en 1887. Tous deux cachent mal un passé révolutionnaire, surtout Louis, adepte de Proudhon. Dès 1849, Louis est condamné pour un article dans le journal Le Peuple et choisit l'exil. Il réside à Londres, puis en Belgique, avant de revenir à Paris dès 1852. Sous le Second Empire, les deux frères décident de rentrer dans le rang. En échange, Napoléon III les abandonne à leurs travaux scientifiques. Louis se retire à Fontainebleau et s'adonne à la peinture, tout en livrant des articles réguliers pour les périodiques scientifiques. Passionné par l'histoire des religions, il campe la figure d'un excellent helléniste. René, lui, commence par étudier la peinture à l'École des Beaux-Arts et dès 1869, il collabore à la Gazette des Beaux-Arts, dont il deviendra même plus tard le directeur. Mais surtout, les deux frères proposent une théorie de l'art qui attribue à la morale publique une valeur fondamentale. Dans deux essais de concours académiques, ils formulent leur position, je cite les deux frères, « cet idéal moral que l'éducation publique tendait à réaliser dans chaque citoyen a trouvé sa parfaite expression dans l'art ». Fin de citation. Cette norme, que la Renaissance italienne et la Renaissance française ont su capter, meurt avec l'âge baroque, par la faute du Bernin et de ses épigones. Leur essai sur la Renaissance, également un essai académique, vantent-ils des convictions toutes similaires. Je cite leur essai sur la Renaissance, soumis à l'Académie. « La décadence de l'art français au XVIIIe siècle avait été préparée par celle de l'art italien
au XVIIe siècle. Fin de citation. Et de Ménard estime que l'art, je cite, « grandit dans les agitations de la liberté, fondant et décorant des édifices publics, toujours mêlés à la vie du peuple. Son développement s'arrête en même temps que l'activité politique. » Fin de citation. Leur vision de la Grèce, à l'époque de Périclès, trahit parfaitement leur engagement républicain, tout comme leur admiration pour les cités libres de la Renaissance. Mais cet idéal de liberté les conduit à célébrer l'art hollandais du XVIIe siècle avec son franc réalisme tel qu'il apparaît dans les œuvres d'un Gérardou. De telles idées les rapprochent d'un autre 48 art dont vous avez le portrait à gauche, le splendide historien d'art Théophile Thoré, qui domine alors les études sur la peinture hollandaise du siècle d'or. Cet historien de l'art a vécu l'exil à Bruxelles avec Proudhon au début du Second Empire. L'art néerlandais offre à ses yeux le paradigme d'un art tourné vers la nature dans sa simplicité première. Quant à l'idéal classique des deux frères, René et Louis Ménard, il trouve son héros moderne en Jacques-Louis David, l'auteur des Horaces, à leurs yeux, a sauvé une école française amoindrie par les turpitudes d'un art privé et absorbé dans les productions du luxe de l'époque de Boucher et Fragonard. Leur vision morale de l'art, ils aspirent à l'illustrer par une étude philosophique de toutes les productions de l'humanité, dûment replacées dans le contexte politique de leur genèse. Leur histoire propose de tirer une leçon du passé dans sa plus grande étendue. Or, c'est en Angleterre que les deux Ménard ont trouvé leur plus grand idéal, au Crystal Palace de Sydenham. Ils souhaitent encourager la France à imiter le show de Sydenham, mais en conférant une dimension morale plus qu'économique à une collection de plâtre ouverte à la jeunesse de leur pays. Et je cite Ménard, René, qui dit « J'ai éprouvé, je dois le dire, un certain sentiment de jalousie nationale à voir que l'Angleterre nous avait devancés dans cette voie. » Fin de citation. Et ils évoquent avec nostalgie leur visite, je cite, « dans cet étonnant palais de Sydenham où l'on part des colosses égyptiens pour traverser l'art grec et la Renaissance. » Que dire en conclusion à propos de cette grande aventure du manuel d'art en Allemagne, puis en France et en Angleterre? Ici encore, j'ai confronté les deux frères ennemis, l'Angleterre et la France, et donc deux visions de l'art et de son histoire que le siècle industriel a profondément transformées, mais surtout deux systèmes qui comportent une construction précise du public cible des musées. En Angleterre, comme dans les pays germaniques, le manuel d'histoire de l'art esquisse de vastes périodes et tente de baliser les grands moments qui marquent la transformation du style dans une culture considérée dans sa plus grande généralité. Par le biais d'illustrations ou traits, il initie aux grandes transformations que connaissent les styles au fil du temps, soigneusement schématisées par la reproduction. En ce sens, le manuel propose véritablement une expérience visuelle de l'art comme champ autonome, une expérience qui s'accomplit au musée. Sa perspective est formaliste et supra-individuelle. En France, par contre, le manuel peine à s'imposer. Il naît dans un milieu d'amateurs marchands. Quand il s'affirme enfin, dans le cadre d'une idéologie républicaine, il porte une attention soutenue aux individualités artistiques, mais il peine à les intégrer dans une explication globale du développement des formes, absorbé qu'il est par une théorie morale et politique du progrès, de la décadence de l'art et par une représentation de l'art qui peine à saisir l'œuvre dans sa plénitude de phénomène. Charles Blanc préférera toute sa vie repérer au-delà de chaque œuvre l'idée morale qui lui a donné naissance et dont elle ne semble fournir que la traduction en images. Et cela s'oppose complètement à la vision du caractère visuel inassignable au texte qui est celle de Eastlake, par exemple, en Angleterre. Enfin, l'histoire de l'art est considérée par Charles Blanc comme un enjeu intellectuel insuffisant. Passionné d'esthétique, il estime que la priorité du savant est la création d'une théorie générale des formes qui puisse couvrir tous les temps et toutes les aires géographiques. Ce rêve, porté par la génération qui a visité tant d'expositions universelles, s'est écrasé à la fin du siècle. Tardivement, en France, l'histoire de l'art finit par triompher sur les ruines de l'esthétique et d'un universalisme centré sur l'Europe. Je vous remercie.
Alors, je commence par la présentation d'un mastodonte, l'histoire de l'art par les monuments de Jean-Baptiste Séroux d'Agincourt, une œuvre commencée dans les années 1780 à Rome, où habitait Séroux, et dont la publication s'étale sur plus de 14 ans, de 1810 à 1824. C'est un livre extrêmement cher, paré de nombreuses gravures, extrêmement peu pratique, puisqu'il comporte trois volumes de textes et trois volumes d'images. C'est un livre de luxe, puisque, comme vous le voyez, les caractères sont des caractères d'Ido absolument magnifiques. C'est donc véritablement un ouvrage de grand amateur riche et pas du tout un manuel populaire. Cependant, sa pratique de l'image est tout à fait étonnante. Je lis tout d'abord, il propose cette enquête d'une morphologie qui convoque des œuvres d'une même période et d'une même école pour y déceler des traits récurrents qui permettent à l'historien d'art de reconnaître des œuvres concrètes qui leur sont similaires. Et ce dispositif qui permet à la gravure au trait d'augmenter ou de diminuer la taille des objets pour les rendre plus comparables me semble tout à fait extraordinaire. Il est entièrement emprunté à l'histoire naturelle et à l'histoire de l'architecture. Séroux et ses éditeurs ont également un véritable talent pour expliciter l'œuvre. Vous voyez ici un panneau médiéval qui est littéralement entouré de figures qui ne sont que des versions augmentées, en quelque sorte, agrandies de détails du panneau. C'est un essai de focalisation qui permet à l'histoire de l'art de voir en plus grand des détails qui sont jugés comme des détails significatifs de l'œuvre. Et ce dispositif est tout à fait original. Vous voyez que la rhétorique de l'image s'adapte à un public spécialisé qui veut examiner des détails, les comparer de manière judicieuse. C'est une planche remarquable à cet égard. L'apparat de l'historien d'art riche qui est celui d'un Séroux d'Agincourt, serait incomplet sans l'apport du facsimilé. Le facsimilé de dessin de grand maître devient un instrument capital de l'histoire de l'art au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que ces facsimilés extrêmement bien faits tentent de reproduire le ductus de l'original d'un grand maître et d'expliciter par là le style, l'écriture des maîtres, le dessin trahissant de manière beaucoup plus native cette écriture qu'un tableau. Et les gravures de reproduction de dessin, ce qu'on appelle les gravures en facsimilé, ont connu une immense diffusion dans les milieux très privilégiés des collectionneurs au XVIIIe siècle, tant en Angleterre d'ailleurs qu'en France. Et la présence d'un tel facsimilé dans ce livre est tout à fait significative. Cette histoire n'est évidemment une histoire orientée. Jean-Baptiste Séroux d'Agincourt dit dans la préface de ce livre « J'aurais préféré composer un grand livre sur l'histoire de l'art antique grec et romain. Mais Winckelmann m'a volé ce titre et m'a volé ce thème. Il a effectué et rédigé un livre sur cet objet, me laissant une période beaucoup moins intéressante que qui est celle du Moyen-Âge, depuis la fin de l'Antiquité, la décadence, puis le renouveau de l'art au moment de la Renaissance. Et c'est pourtant cette période si méprisée des historiens d'art, puisque ne comportant pas d'objets beaux au sens de l'antique, qui va le retenir pendant de nombreuses décennies. Mais pour bien marquer que cette période est une période décadente, même si elle le fascine très clairement tout au long de son existence, Séroux fait représenter cette figure du poussin à l'antique au terme de son histoire, nous sommes ici dans le sixième volume, pour montrer que Poussin a restauré l'art des anciens grecs et latins. Poussin étant français, évidemment, ça a aidé aussi beaucoup Séroux d'Agincourt à Rome. C'est donc une histoire qui est tout à fait orientée esthétiquement de ce point de vue. J'ai cité tout à l'heure le cas de cet ouvrage de Constant Lebert. C'est un ouvrage qui est extrêmement rare, tout simplement parce qu'il a traduit une expérience qui était impossible à diffuser et impossible à universaliser. Lebert pense que le seul moyen de créer
un manuel d'art et d'inciter des collectionneurs à limiter et à organiser leurs collections sur un principe historique. Seulement, ce manuel est toujours à un exemplaire ou à quelques exemplaires et coûte une fortune puisque vous devez vous transformer en collectionneur et chasser les spécimens importants qui permettent de documenter cette histoire. Ce livre comporte donc une liste des portefeuilles possédés par Lebert et leur contenu. Vous n'avez donc qu'à limiter et à ouvrir le même type de portefeuille et à les remplir de gravures que vous trouvez sur le marché, même si évidemment elles sont très coûteuses. Cependant, comme je l'ai dit, l'idée que la photographie pourrait en quelque sorte contribuer à populariser un tel modèle a donné une idée aux éditeurs qui ont utilisé la photographie et les albumines qui sont montées à la main dans chaque exemplaire collé et paré d'une inscription manuscrite. C'est un livre qui est de ce point de vue-là tout à fait extraordinaire. Mais vous voyez qu'on est encore tout à fait dans le monde du recueil. Le recueil s'oppose au livre. Le recueil, qui est un fait majeur du collectionnisme à partir du XVIe et XVIIe siècle, est un assemblage individualisé de gravures qui permettent de documenter un artiste ou une école. Il s'oppose totalement au livre, qui est une production imprimée, standardisée, et qui repose sur des principes de diffusion totalement opposés. Vous voyez ici que ce texte, ce livre, est une sorte de combiné du vieux et du neuf, et il n'a eu aucune suite et aucune destinée. D'où sa rareté. À ce type de modèle extrêmement paradoxal s'oppose la grande success story, l'histoire totalement brillante du manuel, du handbook à l'allemande, traduit en anglais par Eastlake et son épouse, et qui se présente dans un petit livre dont la reliure en toile est une reliure d'éditeur qui coûtait relativement peu cher, et texte extrêmement limpide puisqu'il est simplifié par rapport à son modèle allemand. Murray glissait dans ses ouvrages des catalogues de son propre fonds et montrait par là, le premier volume le comporte, je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui, et ce catalogue montre très bien que pour lui, un acheteur potentiel doit faire les frais non seulement d'un guide d'Italie, mais de manuels. Tout cela forme un apparat, en quelque sorte, organique, peu cher, mais extrêmement complet, à disposition de l'amateur peu argenté. Ce livre a eu un succès extraordinaire. Alors voilà les fameuses gravures en bois de boue dont elles sont ornées. Vous voyez que ce sont des gravures extrêmement simples et qui permettent de situer. Ici, c'est la Navicella de Giotto, si connu, de situer la composition et d'en extraire les traits les plus importants qui rapportent à une période et à toute une école florentine. Donc, la gravure au trait regarde toujours au-delà de l'artiste pour thématiser un vocabulaire plastique à l'aide de ce qu'on appelle en allemand le l'umbris, c'est-à-dire la délinéation extérieure du motif. Vous voyez qu'il y a une adéquation totale entre la théorie de la reproduction et la pratique de la reproduction, puisque des gravures de ce type-là sont extrêmement peu chères, peuvent être imprimées à des milliers ou des dizaines de milliers d'exemplaires sans effort. Donc c'est une parfaite combinaison du contenu et d'une forme. Voici alors un exemple, l'exemple français dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire des peintres de toutes les écoles, de Charles Blanc. Vous voyez que c'est un ouvrage qui est tout de même d'une grande proportion, il est lourd. Je vous ai apporté notre exemplaire, celui que nous avons acheté avec mon épouse, qui est un exemplaire qui était dédicacé par Charles Blanc et par l'éditeur Renoir, l'héritier des éditeurs Renoir, au vicomte de Saint-Sénoc, c'était son exemplaire, et une très très jolie reliure. Quand nous l'avons acheté avec mon épouse, il y avait 4 dessins flamands du XVIIe siècle qui avaient été laissés entre les pages. C'est un des plus beaux hasards de notre histoire de collectionneur.
vous voyez que dès la page de titre, ici, Charles Blanc, éditeur de ce grand monument, qui a été aidé de quantité d'auteurs, vous donne toute la liste des cahiers qui doivent être ordonnés par volume. C'est cette superbe page de gauche avec son motif. En fait, ces grandes amendes comportent la liste ordonnée de tous les cahiers, de toutes les biographies d'artistes qui doivent s'ordonner dans les différents volumes. Vous étiez censé garder ces deux pages-là comme une sorte de vade-mecum vous permettant d'ordonner le livre jusqu'à ce que vous puissiez le donner à un éditeur. Mais vous voyez là aussi, relier un ouvrage, une fois que vous avez obtenu et vous avez collecté toutes vos livraisons, est un enjeu financier tout de même assez important. Par contre, le livre d'Islek est fourni entièrement relié de toile, un relieur très peu cher. C'est un ouvrage qui est également assez décevant dans la mesure où des gravures du Durer, comme par exemple la fameuse Mélancolia, ont été entièrement redessinées par des artistes et entièrement gravées par d'autres artistes. Donc c'est une sorte de traduction qui, en termes de l'histoire des formes, littéralement oblitère complètement l'original de Durer. Donc c'est typique d'une reproduction à la Charles Blanc. Elle propose le contenu de la gravure de la Mélancolia, mais quant à l'analyse des formes, elle est complètement inopérante, puisqu'elle est très éloignée, finalement, dans le détail, du style de Durer. Et pendant très longtemps, cette ambiguïté demeurera très, très présente dans beaucoup de publications de ce type-là. Le facsimilé de dessins du XVIIIe siècle, paradoxalement, marque un énorme progrès par rapport à ce type de reproduction. J'en viens maintenant à cette apparition tardive du manuel qui est celui des frères Ménard. C'est un ouvrage qui est relativement peu coûteux, mais curieusement, il n'est pas au petit format comme le Islek. Pourquoi ? Parce que les auteurs ont pensé plus intéressant de lui donner le format qui était celui des périodiques extrêmement populaires, périodiques illustrés, tels que le magasin pittoresque. Je vous ai placé à côté de cet ouvrage un volume du magasin pittoresque, qui était extrêmement populaire à cette époque-là, qui était une sorte de livre d'images, n'est-ce pas, source de tout un imaginaire. Et c'est très intéressant de voir que les auteurs ont choisi ce format et non pas le format de poche qui aurait permis de véhiculer l'ouvrage au musée et de le rendre plus intéressant. Et c'est une contradiction puisque le livre de Ménard, les deux frères Ménard, est un livre qui se veut une introduction à la visite du Louvre. Il convoque un grand nombre d'œuvres qui viennent des musées de Saint-Pétersbourg, des musées allemands, etc. Mais en tout point du texte se marque une pause et les auteurs nous signalent les peintures, les sculptures, les œuvres d'art que le lecteur peut observer au Louvre et qui appuient leur analyse. Donc c'est, en dépit de sa taille, un ouvrage qui est véritablement fait pour être confronté à l'œuvre d'art dans un musée public, le musée public par excellence en France, qui est le musée du Louvre. Vous voyez que le papier est un papier tout à fait ordinaire, qui contient beaucoup de bois et d'acide. Cet exemplaire est en très bon état. D'ordinaire, ils sont tous bruns. Le sérot d'Agincourt est un papier chiffon de très très haute qualité. Le second problème de ce livre, qui est tout à fait comique, est le suivant. Il est orné de 414 illustrations. Ces illustrations auraient été extrêmement coûteuses à produire. Et les auteurs ont recouru à un stratagème qui était tout à fait intelligent pour abaisser les coûts de ces illustrations. Ils ont puisé dans un répertoire de blocs d'impression qui existaient et, à mon avis, ils ont dû puiser certainement dans le fond de la Gazette des Beaux-Arts, dont ils connaissaient bien les rédacteurs et les imprimeurs. Le résultat est tout à fait intéressant dans la mesure où le coût de la publication en est considérablement baissé. Cependant, la rhétorique des images est extrêmement différente.
les modalités de leur production également. Ce sont des images qui avaient été faites pour accompagner des textes de différentes natures et réunis dans le même volume, on voit que leur caractère est extrêmement hétérogène. Et cette hétérogénéité explose à tel point qu'elle compromet toutes les analyses stylistiques du livre. Donc c'est extrêmement gênant quand on vous voyez que là, les auteurs essaient de créer une comparaison entre Anthony van Dyck et Rubens, mais la graphie des deux œuvres est tellement différente que cette comparaison est littéralement inopérante. Le système anglais va s'implanter en France assez tard. Voici un tout petit ouvrage qui était extrêmement populaire et vendu à très très bas prix. C'est une série qui était éditée par Gaston Couni, avec l'aide d'ailleurs des frères Ménard, et qui propose exactement sur le modèle des recueils de Somerley, anglais, une petite visite du Louvre en petit format, ornée de gravures sur bois, dont vous en avez une. Vous voyez qu'elles sont d'assez mauvaise qualité, vous reconnaissez à peine le Corrège sous ses traits, mais il offre à des ouvriers, à des gens de conditions extrêmement modestes au 19e, la possibilité de posséder une copie qui a au moins une valeur de remémoration par rapport à l'original. Et le texte est non seulement très compact, mais réussit à combiner deux vecteurs, le vecteur de l'histoire et le vecteur du visiteur dans le musée du Louvre. C'est un parcours très cadré. Donc c'est un texte tout à fait magnifique, mais qui est entièrement dans la tradition anglaise de Henry Cole, tel que je l'ai explicité tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas pu résister à l'idée de vous montrer deux ouvrages. Un que j'ai évoqué lors de ma première conférence, c'est le fameux le faune de marbre de l'écrivain américain Nathaniel Hawthorne, qui a paru sous un autre titre, Transformation également. Vous voyez le faune à gauche. C'est ce roman qui a eu un succès extraordinaire, marque le point d'orgue de la visite de l'Italie et de l'Europe par Hawthorne. C'est un roman qui regorge de références à l'Italie, aux monuments, aux objets d'art de l'Italie, à tel point que plusieurs éditeurs anglais, Tauchnitz à Leipzig et d'autres éditeurs italiens, décident de produire des versions de ce roman en l'entrelardant de photographies d'Italie. Et cet ouvrage est devenu paradoxalement un des guides d'Italie les plus appréciés, puisqu'il transformait véritablement la visite de l'Italie en un gigantesque roman. Et il a été beaucoup plus lu que par exemple le Cicerone de Burckhardt, qui comporte une description des monuments italiens et antiques d'Italie beaucoup plus précise. Et chaque exemplaire était paré de photographies qui étaient collées page par page, et ce sont en général des ouvrages qui sont très bien reliés dans une reliure claire. Et je vous montre ici la fameuse Béatrice Cenci du Guerchin, qui en fait est une œuvre dont on attribue à un autre artiste et qui probablement n'est pas même une représentation de Cenci, mais qui, vu son histoire, l'histoire dramatique de la figure représentée, était une des œuvres d'art les plus admirées au XIXe siècle. Et au moment où Hawthorne a rédigé ce roman, elle était photographiée pour la première fois. Donc c'est un moment très important dans l'histoire de la reproduction de l'œuvre d'art. C'est bien pour ça que je suis heureux de vous la montrer ici. C'est une œuvre qui n'est peut-être pas très intéressante du point de vue de l'histoire de l'art, mais qui était suffisamment pathétique pour arracher véritablement un sentiment de grande passion et de grand pathos chez l'écrivain américain. J'en viens au dernier ouvrage que mon épouse et moi-même aimons énormément, qui est un ouvrage de révolte.
Les auteurs sont les deux frères Goncourt, Jules et Edmond Goncourt. Et ces hommes détestent le XIXe siècle, qu'ils considèrent comme d'une vulgarité extraordinaire. Dans leur maison d'Auteuil, ils ne collectionnent que les objets du XVIIe et du XVIIIe siècle, surtout du XVIIIe siècle, plus une collection d'objets du Japon extrêmement importante. Et ils vont avoir l'idée, ensemble, de créer un livre d'art qui est l'art au XVIIIe siècle, qui porte sur les grands artistes du XVIIIe siècle français, un livre d'art qui serait un défi à toute la popularisation du livre d'art au XIXe siècle. Ils vont le faire très cher, choisir un caractère qui est un caractère démodé, qui est un garamond. Voici la page de titre qui est extrêmement rare dans les exemplaires qu'on connaît. Cette publication commence sous forme de petits volumes biographiques dans les années fin des années 50, 1859, et le tout est relié après la guerre de 70, 72, 73. Et ce livre, en fait, comporte des illustrations qu'on peut placer à volonté dans le livre. D'un exemplaire à l'autre, la place des illustrations change. Mais ces illustrations sont toutes particulières. Là aussi, les deux frères montrent qu'ils détestent la reproduction mécanique de l'œuvre d'art. Et qu'est-ce qui lui oppose? Quelque chose de tout à fait fascinant. Imaginez les deux frères, Jules et Edmond, qui possédaient une superbe collection de dessins de maîtres français du XVIIIe siècle, dont ici Watteau. Et Jules va copier sur des planches gravées ses dessins chez lui, l'original devant lui, la plaque de cuivre juste en face de lui. Et l'exercice de la copie, c'est un exercice analytique. Donc la copie artistique, ici, est glorifiée dans la plus grande tradition du XVIIIe siècle et opposée à la copie mécanique qui n'a aucune âme et qui, plus encore, n'est qu'une sorte d'objet mort par rapport à la copie analytique qu'est celle de l'amateur qui, au fil de ses copies de dessins, essaie de comprendre l'art du XVIIIe siècle. Donc toutes ces gravures sont de Jules de Goncourt. Vous imaginez, enfin, c'est un ouvrage qui a été édité à très très peu d'exemplaires. Et en fait, c'est même un anti-livre dans la mesure où c'est un recueil. Ces petites biographies sont placées dans un ordre qui varie, et en fait les collectionneurs étaient invités à entrelarder leurs livres de gravures de leur propre collection dans la tradition du recueil, cette tradition du recueil dont je vous ai dit justement qu'elle est, elle doit être littéralement détruite ou contestée de front par le livre et le manuel moderne au XIXe siècle. Et bien, dans ce livre, les Goncourt vont réintroduire en quelque sorte le recueil comme principe fondamental du livre sur l'art, et le collectionneur qui a possédé ce livre a en fait collé une gravure rarissime de Prudhon et Roger qui représente Frosine et Mélidor, et un spécialiste m'a dit que cette gravure était extrêmement importante, et vous voyez qu'elle n'était pas, elle ne figurait pas dans l'ouvrage à l'origine, mais elle compose un apport d'un collectionneur qui crée du sens à titre individuel en transformant un livre en recueil. Et je dirais que ce livre est en quelque sorte un véritable manifeste d'une agressivité incroyable. Moi, j'aime bien la créativité quand elle donne lieu à un aussi bel ouvrage, mais c'est un manifeste contre le XIXe siècle, véritablement. Et c'est sur ce bel objet que je prends congé de vous en vous remerciant pour votre immense patience tout au long de ces 5 conférences. Je vous remercie infiniment. Merci. Pour ceux qui voudraient poser des questions. Monsieur, j'ai beaucoup admiré votre conférence, tout en ne pouvant pas assister à toute la série. J'ai été sur un point particulier, un peu anecdotique, très marqué par votre présentation de Lebert. Étant orléanais d'adoption, Lebert est en effet un personnage pour Orléans, et je pense, pour le premier XIXe siècle, assez important. Et je voudrais peut-être
vous signaler, mais ça n'entrait pas dans votre propos, sans doute le savez-vous, que le père a aussi travaillé sur une grammaire générale. Oui. Et qu'il est correspondant de Gérando, c'est-à-dire qu'il se rattache exactement à ce que vous avez dit de si important de la part des idéologues et qui traverse toute cette période, comme vous l'avez si bien montré. Alors, je vous remercie infiniment pour cette remarque qui est tout à fait importante. Je ne voulais pas, disons, trop développer. Je l'ai vu un petit peu davantage dans mon livre. Mais effectivement, le rapport extraordinairement étroit qui se développe entre la linguistique générale de l'époque des idéologues, Gérando, Destutt, Tracy, etc., et le travail de l'histoire de l'art au XIXe siècle me semble tout à fait important de ce point de vue-là. Et Lebert est intéressant pour moi tout simplement parce que l'histoire des sciences aujourd'hui ne s'occupe pas seulement du développement des formes qui recueille un grand succès au cours de l'histoire, elle accorde une beaucoup plus grande attention à ces formes mixtes qui sont inventées par des collectionneurs, dans le cas présent, qui essaient de trouver une issue à un problème. Et le cas de Lebert me semble très très intéressant, puisqu'on sent qu'il essaie de résoudre un problème très important de son temps. Et de ce point de vue-là, ce livre est absolument capital pour l'histoire de l'édition. Malheureusement, il n'est jamais pris en compte et c'est bien pour cela que j'ai voulu lui donner toute son importance. Excusez-moi, la question ne porte pas directement sur l'histoire de l'art, mais j'ai été intrigué l'ouvrage de 1855 qui est traduit donc par, je crois, un couple. Et dans le titre en anglais, on fait allusion à ça, mais on parle de « by a lady », sans donner son nom, sans dire que, en fait, il s'agit de l'épouse. Est-ce qu'à l'époque, c'était pas bien séant, quand on était une femme, de traduire pour, enfin, voilà, est-ce que vous avez plus d'éléments sur cette anecdote? Ça, c'est une question absolument remarquable. Je félicite de la poser. Charles Locust Lake épouse Elizabeth Rigby assez tard. Ses amis ont longtemps cru qu'il allait mourir bachelor, comme on dit en anglais. Et cette femme a derrière elle une très belle carrière littéraire. Elle est d'un esprit extrêmement avancé. Elle pense qu'elle a le droit de publier sous son nom, ce qui était quand même très nouveau. Je vous rappelle que l'épouse du banquier Necker était une écrivaine tout à fait intéressante, mais pendant toute sa vie, son époux lui a interdit d'écrire parce qu'une femme ne pouvait pas écrire. Ce n'était pas de bon ton d'une femme de la bonne société d'écrire. Et Elizabeth Rigby, une fois qu'elle épouse Charles Locust Lake, va alterner entre une certaine discrétion propre à la haute société, n'est-ce pas, et un désir de signer ses articles. Donc, de temps en temps, elle signe ses articles dans les journaux. De temps en temps, comme ici, elle signale simplement qu'il s'agit d'une lady. Tout le monde savait que c'était elle. Mais il s'agit là plutôt d'une sorte de respect partiel des traditions de la bonne société de l'époque. Donc, c'est une chose, pour l'histoire du féminisme, qui est tout à fait intéressante. Je relève d'ailleurs que l'histoire de l'art anglaise est littéralement illustré par des femmes de premier plan, et ça c'est un phénomène tout à fait anglais, je n'en connais aucun dans le reste de l'Europe. Vous avez une demi-douzaine d'historiennes de l'art au 19e siècle, comme Mrs. Jameson, qui tiennent le haut du pavé, qui sont très écoutées et qui ont vraiment transformé la littérature artistique. C'est sans équivalent sur le continent. Et beaucoup de visiteurs français ont dit que le statut de la femme en Angleterre, dans la haute société, était beaucoup plus libre que sur le continent. C'est probablement une preuve. Donc, je remercie encore Pascal Griner et un vous tous. Un grand merci.